Mali News jabaran la jabaw am sokolin dum on na shu anikli oni nyamma bi arabaye septembre kalo klemba ani sheki samba fla ani mwan fla kuna foni folo colonel assimi goetaye mali premier ministre colonel abdoulaye meiga bismillah le ko fe wala wala like kumiyato atara new york nambare no amita ga gine kuna ki musa dadis kamara minena aka datu kuna foni wala wala le amno di oma an flash info konnan kuna foni damnena sidao nyemoko binali takamala malikon nana ina fo sidao nyemoko kumbena kan chuga mina new york na son zini ga assemblée sinfe uga delegation do binali takamala colonel assimi goita fi ya sa colvar militaire numele no malikon nana ulwe sikala bla chuga ya mina nga sidao ku ya nyini mali autorité fe ko ku ga delegation bismillah kunu taratade ma mali autorité ya ira ka fo kunu bise ga sini alamsa wal majuma don kunu ku kon bise ku bismillah ula chini alamsa septembre kalo klemba an konoto sirao nyemo ko saba ulubina li tagamala mali konnana ni o mo ko saba wi gana jamana kuntigi togo jamana kuntigi fornye singbe ni ali la surudo baga baye ni koina mali an code var ni nyonche senegal jamana kuntigi baki sal ali kontena na segana tagamaina ali kembe ka gambi jamana kuntigi de bla anola chini ala sonama ne ke kaya tamana temni sanga bisabaye ni jamana kuntigi sabanu bi se mali konnana wanu ni colonel assimi goita klala nyongoyila ushini kele na nege kayata ani woro wisi inga tuga jamana konnana mali ministri misikilo no mali ani jamana wero ko nyina boli kama abdullahi job alikumana sire awu ngani delegation na likula mali konnana abdullahi job ya ira kafo kunu koni na kune kuka no sigi kunyela ta fo mali nyana utena na ben ukanka nga kunu na na kona ya fadilike akula kuwisi ga nyongo famia ukoi munna abisimle aka flash info konnana komi tu ya fo nyana madame nena kunu tarata septembre kalo klemba ani bolovla mali on bora iko kono kunu kama mali premier ministre colonel abdoulaye meiga bisimle abisimle len ko fe aya kunda kulubaka no y colonel assimi goita jabalay u flaga no way sen fe mali jamana kuti colonel assimi goita ale koni ma dantike like komi obena jeli ma kala ma mali premier ministre ale kunta len do new york na son zinika assemblée ta ko bolovla ani bolovla lana kata mali ka pmafo colonel abdoulaye meiga ale pmata aka kuma konnana ay foli bilibili bake ka nyeshi alaw talama kofe ay foli ke ka nyeshi colonel assimi goita ma ay dana mita ka daka ala tam mali ka kuma fo na son zuniga assemblée keneka o sen fe mali premier ministre ay foli bilibili bake ka nyeshi malien beladile ma minu bora ka bismillah colonel abdoulaye meiga ka kuma konnana ay ira ka fo kali tara kuma minu fo na son zina ko kuma ni foli kunaka ko sabula ni sen konnana nyangili chama ni taraka mali segere kasoro ni nyangili nyokona ni madilika taka nyeshi jamana foima wakoni mwoko sengena ikangu o sengenda jia mwoko kuloka kulene abdule mega alitara ni kuma nundifo na sonzini ka nyue taku bilo vla ani ulu vla na keneka nga anga je anga ere lame apika dantike like anga tulukana alafuka ala barakata anji mantara angu emisyonu anji mantara herela ansi na herela manga jamana nyamoko funafu colonel Assimi Goita, le président de la transition chef de l'État, nous est donné à ta carte en un diamant moibi, mais il est mon mère de ce qu'on a qu'à faire. Vraiment, à Bouyana, ma consoler sans qu'on se grinte naïe. Les caméras, les mamans, les diamants à barrage, les diamants d'une réca barala ni barakera ni diamant boratan ni diamant bain. Vraiment, à Diana, vous savez, faut qu'à demain. Vraiment vous faut pour voler le mandon. Vous témoignez quoi fait entre mission mon à New York assemblée générale là. Salon ben mille voilà sans qu'il en connaît là. On a jamais entendu la guillardeau fait guillardeau sous mon nom. Il parle que c'est déjà ouvert dans à guillardeau sous mon nom dire que da jamais là. Nous et que frontière ou date qu'on comment jamais là qu'à voler ne qu'à faire un jamais quand là. Donc, on a des gens qui sont là. Donc, on a des gens qui sont là. 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 On a 46 mercenaires. Pour tout ce qui est là, Mali est là. On a des gens qui sont là. On a des gens qui sont là. Est-ce que tu es là?
sarasiw bɛ se ka wuli ka taa u dugu kɔnɔ ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ni dugula mɔgɔw ma bɛn a kan marifa b'u bolo ka tila ka nkalon tigɛ pasipɔri minnu b'u bolo k'a fɔ k'u ye tobilikɛlaw ye u ye pɛntirikɛlaw ye ubiyɛn u ye masɔnw ye ka tila ka ŋaniya wɛrɛ b'u kɔnɔ k'a fɔ k'u ye an ka transisiyɔn destabilize i t'o ye diɲɛ fan si donc vraiment an taara o de kuma fɔ an taara kuma min fana fɔ k'a fɔ a an kun ye an ni faransi gɛlɛya dɔ man cɛ faransi nana nin y'a san caman ye k'u b'an dɛmɛ o dɛmɛ tɛmɛnen kɔfɛ o ye an ye k'a fɔ vraiment u ka dɛmɛ fiɲɛ caman b'a la o fiɲɛ caman o fiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ka pankuru kuma dɔ la ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni san siɲɛ bi duuru ye sɛbɛn t'u bolo foyi t'u bolo o fana kɔnɔna la u bɛ marifaw ni kunnafoni di juguw yɛrɛ ma olu k'an kɛlɛ. Donc, on peut avoir un conseil de sécurité fait. Nations Unies, la structure d'OBE pour le conseil de sécurité des Nations Unies, où les chargés de l'ACNA et qu'elle est l'île d'Adjénatrien. On a une offre vraiment au cas de Dalou Mangolo, en tant que Dalou et qu'il y a Djéna, qu'il faut français, par la tête de Djéna. Donc, on a beaucoup de bêtes à prendre là. Comment on a fait un langue vraiment malé Djéna en taille de nous. Ni Mali ka communiquer ou ta, ni gouvernement ka communiquer ou ta, il te communique clean. Mumba ira ka foko Mali a dado jamana ureka te gila la, tan dado mochita la. Oui, tiens le te tabouli, beni i kumode do. Na ka foko manto anta la kata, anta do mwa reta la itoi. Na fana te somo ureki dado anta la ti. Ando ango fana ango okuma fana fana. Ango fana vraiment dale ni bebe. Ka foko me nga kana nga me nga kana te malika tabu landa le ni bebe ama jema nya mo ka principe sa va bien no ka malika souveraineté ko buya ani jema ka herebe partenaire mumbulu kato en fona ka se boke ana la bay moy here fm fbc jema na demo no de no décision fona ka se ka jatemine o para en kona la no manda le ni bebe no ka tro entre ko ma defo vraiment me l'occasion m'a dit que je ne sais pas si je suis un homme. Et il manque qu'il faut la frappe. Mais la frappe est réformée, il faut que je me dise que je suis un homme. Je suis un bébé, je suis un bébé, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Tant que je suis un homme, je suis un homme. 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 Je suis objectif un peu de transition. Je suis un homme. Je suis un vraiment c'est beau objectif ou atteint vraiment bravo à Djamal mais bien faut qu'à voler du mando on a Djamal animo colonel Rasmi qui est à Togola ni il est Togola ni gouvernement est Togola ma Djarani a pu y en amour alors pour Besra pour la fin de flana Niger ministre ministre de Sorokama aya ira ka fo ko luga taji tigali mali la ani mali premier ministre ka discours nations unies na ko lute nyoko nyesira la ina fo antu ya fo anya na chukumina anga kunu kuna fo niko na ni ko flan ute nyoko nyesira la Niger kuna fo ndira do Nigerien do ulu yere bora ka ko injana la tike ko fe Niger ministre minyeshini do soro kama Ahmad Djidud ale yere bora ka ko injana la tike way wala wala lika kumia to uka taji tike mali la Ahmad Djidud ya la donia ka fo ko utikalo kileta ani flatemni ale aburo no bla 7 na 7 mi ya muradi mali mobi ba boloma ugu ka mobi ba bolika na Niger katem Niger la katakata jita Nigeria do hufla o ko fe soni dep ni oye Niger societe do mi nyeshini do taji ko kama uli wole bla Niger ministry mi nyeshini no sura kama ka kibara da ukulo ka kibara ni mali mobi ba bolo bi kata taji ta Nigeria ka kla ka no firi Niger soni dep mogo ya ira ka fo ko le societe ko mɔgɔw de b'u bolo baara la wa o kan ka impôt fɛnɛ sara o de hukumu kɔnɔna na sɛktanburu kalo tile kɔnɔntɔ tɛmɛni Niger ministiri min ɲɛsilen don sɔrɔ kama a ye sɛbɛn wɛrɛ bɔ sɛbɛn min bɛ a yira k'a fɔ ko Mali mobili ba bolila u yamaruyalen tɛ tuguni ka tɛmɛ Niger fɛ ka taa taji ta Nigeria nka wagati min na a bɛ décision in ta wagati y'a sɔrɔ Mali mobili ba dɔw labɛnnen don u bɛ ka bɔ Niger k'u kunda Mali frontière kan Ahmad Djidud y'a yira k'a fɔ k'a y'a ka duwaɲɛw bila u ka mobili ba ninnu bilasira. Ko bilasiralen kɔfɛre Niger douane ɲɛmɔgɔ ale ye sɛbɛn bɔ ka ci Mali société technique mɔgɔw ma sɛktanburu kalo tile 21 k'a yuru la k'u ka mɔbilibaw yamaruyalen tɛ tuguni u ka tɛmɛ Niger ka taa taji ta Nigeria Ahmad Djidud y'a yira k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Maiga ka discours Nations Unies la ani nin ko in k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogoya si de la wa ko Niger tɛ jamana ye ko nin ye kuma fɔ jamana ma k'a bɛ ɲangili ta ka ɲɛsin ma
nga anga je anga amat jidu dlame ni ali niger ministre mi nyeshi do soro kama abiga dantikeli ge nazara kana. J'étais surpris de voir une polémique circuler sur la question de la suspension du transit des hydrocarbures vers le Mali. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il est important de rappeler les faits. Il s'agit en effet, ou du moins il s'agit d'une décision que nous avons prise il y a quelques semaines de cela, qui est liée particulièrement à cinq autorisations que j'ai signées personnellement, d'autorisation de transit du super, c'est-à-dire de l'essence, qui viendrait du Nigeria vers le Mali. Ce sont des autorisations que nous signons de manière routinière. Je les ai signées précisément le 12 août. Comme je précise, il s'agit de 5 autorisations. Deux semaines après, j'étais en vacances. J'ai été interpellé par la SONIDEP qui se plaignait en fait du fait que les autorisations que nous avons accordées compromettent la santé financière de la SONIDEP parce qu'il y avait des reversements qui étaient opérés. C'est-à-dire que les hydrocarbures, en particulier le sens qui était censé transiter du Nigeria vers le Mali en passant par le Niger, est reversé sur le territoire nigérien à raison du différentiel de prix, parce que le sens coûte moins cher au Nigeria qu'au Niger, et par conséquent, les concernés ou les bénéficiaires de ces autorisations profitaient pour déverser ou reverser ces hydrocarbures ici. Après analyse et avec vidéo à l'appui, la SONIDEP m'avait convaincu effectivement de l'existence de cette fraude. Et c'est sur cette base-là que j'ai demandé à l'administration douanière de suspendre. Et l'administration de la douane m'a soumis les 5 lettres de suspension associées à chacune des 5 autorisations que j'ai suspendues le 9 septembre. Vous aurez avec vous en fait les différentes lettres ainsi que les lettres de suspension que j'ai signées le 9 septembre. Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général de douane de prendre une note pour notifier cette décision aux unités douanières qui sont au niveau des frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie, pour que cela soit officiel. Mais il s'est trouvé que, à la prise de ma décision de suspension le 9 septembre, nous avions déjà un contingent important de citernes à l'entrée du pays, qui est lié, bien sûr, aux autorisations que nous avions accordées. Il me paraissait injuste de dire que nous suspendons et que ces camions doivent repartir, et j'ai demandé à la direction générale des douanes de prendre les dispositions pour les escorter jusqu'à la sortie des frontières. Et à la suite de ça, une fois que nous aurons apuré ce stock qui était déjà au niveau des frontières, nous prenons la circulaire pour interdire l'entrée et la sortie des hydrocarbures vers le Nigeria, vers le Mali. Et c'est le 21 septembre que le directeur général de la douane a pris la circulaire, sur la base bien sûr des mesures suspensives ou des suspensions que j'ai prises le 9 septembre. Vous voyez donc, il y a une coïncidence hasardeuse du calendrier que certains ont essayé d'interpréter comme étant une sorte de mesure de représailles à l'endroit du peuple malien, du peuple frère malien. Il n'en est pas ainsi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est totalement déconnecté. Il n'y a aucune corrélation. D'ailleurs, c'est dont les gens parlent, c'est intervenu le 22 septembre. La décision que nous avons prise, elle est intervenue le 21 septembre. Donc je pense qu'il faut, éviter de rentrer dans une polémique inutile, dans des raccourcis qui n'ont aucun sens. Les gens devraient demander l'information à la source. Je vais préciser une chose. Ces mesures, on les aurait prises aujourd'hui, tout en faisant aussi abstraction du contexte, pour la simple et bonne raison que notre société de raffinage, à savoir la Soraz, va entrer en fait en maintenance pendant 2 mois. Qu'est-ce que cela suppose? Cela supposerait que nous-mêmes, nous allons importer en fait les hydrocarbures. Et par conséquent, nous allons empêcher à ce que les hydrocarbures que nous avons importés ici puissent être exportés ailleurs. Je pense que si le hasard du calendrier a juste fait que cette décision a été prise récemment, mais elle aurait été prise aussi dans ces conditions-là à la suite de l'entrée en maintenance de la Soraz. Les autorisations, comme je l'ai dit, je vais les mettre à votre disposition. Vous verrez bien de quoi il s'agit. C'est du carburant qui rentrerait de Koni, de Malbaza, de Galmi, ainsi de suite, qui part vers Ayoru, vers Torodi. Nous avons les autorisations, vous les verrez dans mon portable, en transit. Mais les gens profitaient, comme je l'ai dit, du fait du différentiel des prix pour reverser le carburant ici. C'est chose courante que nous avions, que nous connaissons. Et nous avons toujours procédé ainsi. À chaque fois que nous avons été interpellés, même les autres années, on a dû suspendre aussi des autorisations. Kunafoni sabana sema mɔgɔw ye kuvurufe kura bin Kidal kaw kan. Kidal ani Amara olu bɛ kuvurufe kura dɔ kɔnɔna na, nka Zeina ta tɛ jamana ka kuvurufe. Zeina ta ye coordination des mouvements de l'Azawad sema.
olu ka couvre feu non les bamaka ci djeku ko ray munu tege nobla ako dalji la ka boka da ko loka couvre feu ale rebe damne 21h de ka kunche 5h du matin ba couvre feu ale damne na dene shuri ka dugu djeku no taratala septembre ka lo clé mwa ani wolom vla sema mo ka ni sema incharli bololo san fela no ka couvre feu sere mo ko chama ya ira ka fuku sema mo ko be fe ka kudama jamana di nga sema mo ka gafe won nana ma prepare la tike ku njonjo miato u bi ka ni couvre feu ke wasebe monana uya ira kafo ku déplacer kura ku lukana na leki dalwe ku marfa obega sur leki dal ani amarala ko ku monana siraba minu metaka kidal ku bina lakana to sisi o siraba ka wa ku mobili febe do kidal ku bro mobili bela jile sege sege sanu gaddo wa kapsika ke wa sege sege lu sefe ku taka modo ka so sege sege kala donia kafo yi sima mo ko ni wa ku ni couvre feu abina ba wakati na mo wakati kile fo ba ira kafo ko kidal ana mara olu be couvre feu ko nana ban wakati ma fo couvre feu mina folo kuna foni nana Musa Dadis Camara mina na kada tu kasula gine kuna kiri jamana kuntiki koro ni ale fanga soro ku de ta do sinfe Musa Dadis Camara ale mina na kada tu kasula akil la jingina septembre kalo kile mwa ani chegi 2009 ka Musa Dadis Camara opposant au meeting la kuna kiri stade la gine fintiki la ka utara la maka ke stade la maka chejuba sabla la maka sinfe mugo keme ani mugo biduru le bonena unina bigera muso kemerika mugo bakili ani mugo keme nani ulle banana santa ani saba ukofe gine ugala nyini usabatira sabula mugo minu yeni walenge umenena kudatu woni nyangili mwaka ubina da ukono mugo folo miyere minena ni kuina ale Musa Dadis Kamarari ni ale kunye gine kuna kiri jamana kuntigi awagatila mugo flana ale colonel Abdoulaye Sherif Jabiri ni ale ku ye ministre min ye shine do kenya ko kama awatila Abdoulaye Sherif Jabi ale nyangira ka sababu ke ni walen kera domina amaso bana bagato ka furake u ko fe mugo shegi were ulu fene min na ka datu uni wale kelina ko min tunya fa wanya na chuga mina Musa Dadis Camara ale fanga soro kudita do resefe na kudita ke December 2008 na wale ngone ko fe Musa Dadis Camara ali ka fanga chena abulu ani aka gardi do e dala manke u dala manga sefe gardi ay marfa de chi Musa Dadis Camara kumulula o sefe u ya blaka ta jamana ko ka aka taka furake sani aka segi ngana general Sekuba Konare ali sigira gine kuna kiri fangala u ya e ka fo kuni kudita ke jamana mina ka fo kibe klaka singana u jamana kilena o kum ko nana Musa Dadis Camara ali exil demandé Blaise Compaoré fe kataka sigi dikina nga sibiri do septembre kalo kile mwa annani Musa Dadis Camara ali sigina kana kuna kiri aka prosela kiri koni ali tikira nga dama ja Musa Dadis Camara la sabula amne na ka datu wani nyangilim nga ka ubina da akono kuna foni duruna obetana nye Burkina kuno tarata septembre kalo kile mwa ani wolomvla ka Burkina fintikila ka auto Burkina civil ani minando blasila la jibu ba magachi uyu ataki o ataki sefe Burkina fintikila kata anikele olubonana unina mo mwa ani shegi olubanana civil mo gobidru bonyango olutuna albi olukibara jonjo masika soro folo ataki sefe minan chama ni chena mese bilgo ni ale Burkina be ale pmana ni kuinga aka kuma konnana aya ira ka foko chiedo ko bamaga chuye Burkina be chama faranga ko Burkina be fintikila ko bu fasafili yasa wasika dankari bamaga chikelena chugo yamina komi abela jele makalama septembre kalo damnela mobli do fale civilu ani minauna o yelena mugujugu do kan jibo ani la bezanga frontela o sefe mo bisaba ani duro le bonena onina wa mon be ku civilu ri ba ma gato nunu chela a club be ku demsinni ka boga da kulu kan kami 2015 ba ma ci jekulu fla o lukele no ku daga yoro ke Burkina ni ba ma ci jekulu fla ye alqaida ani etat islamique ni baba ka tija kulu fulanu ye Burkina bi chama ne bone unina wa albi u bega ataku ke Burkina koro ya fa ani Burkina ko godu ya fa fe ami dowri ke alaka jisma ke ni baba ka tike le froi kuna foni woro na kurantika o chale no baba ko woni wakati na kuno tarata septembre kalo kile mwa ani wolon vla ede mo ko mana akoka wa kuma fonna na uya hira kafo ko sigaso an ferke frontela ko pando de benga ko ga fere su bela jile ga yasa solution me sega soro upani na chugo ya mina ni bora ba ko ki kuna Cote d'Ivoire kan ibi se du wa folo ma o de ferke mo ko chama ya ira ka fuko kele me mali ani Cote d'Ivoire ni ngonche ko ro kum ko na Cote d'Ivoire kele no ga ga courant ke mali la akli la jingina mali ministri mi sigile no du ju woro na folo ko kama jiko ani kuran mo kama sedu lamin trawili
ale y'a yira k'a fɔ wagati dɔ la ko Mali ye groupe électrogène kura caaman sɔrɔ wa ko kurantigɛ ko tɛna na caya ani fɛnɛ ko hali ni Côte d'Ivoire y'a ka kurantigɛ Mali la ko kɔlɔlɔ fosi tɛ a la. O tuma la o groupe électrogène kura ninnu olu taara mini? Nin ye ɲiningali ye, jaabi ma se ka sɔrɔ ɲiningali min na. Coupure d'électricité au Mali, ben c'est vous qui me l'apprenez. En général, quand il y a des coupures en Côte d'Ivoire, on est très vite informé parce qu'il arrive qu'en Côte d'Ivoire également, il y ait des coupures et on ne lit pas cela donc, à quelque événement que ce soit. Donc, il me semble un peu hâtif et malheureux de vouloir lier ces coupures qui peuvent être des pannes comme ça arrive sur tout réseau électrique. Il me semble un peu hâtif de les lier à la situation donc, de nos soldats. Ici, en Côte d'Ivoire, le temps moyen de coupure a été amélioré. Aujourd'hui, on est à environ 17 heures par an, là où en 2015, nous étions pratiquement à 30-35 heures par an. Ce sont des performances qui sont à saluer, là où, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on se retrouve avec des temps de coupure qui tourne autour de 80 heures par mois. Donc vous voyez, donc ça arrive que sur le réseau, il y ait des pannes, comme dans tout pays. Et donc il ne faut pas forcément lier cela à la situation donc, de nos soldats. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est un État responsable. Et nous avons choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation. Et connaissant la volonté très forte du chef de l'État à aller à la paix, aussi bien dans son pays qu'à l'échelle donc, de notre sous-région et même du monde, je dirais, il n'y a aucune raison que notre pays puisse s'inscrire dans une position belliciste vis-à-vis de nos voisins avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations. Donc je ne souhaiterais pas que ces incidents ont pu arriver, même si le contexte peut s'y prêter, ce que nous comprenons. Je ne souhaite pas que cela puisse être lié à la situation donc, de nos soldats. C'est des pannes qui peuvent arriver, comme il en arrive en Côte d'Ivoire et là où même les Ivoiriens grognent quand cela arrive. Mais c'est pour cela que j'ai tenu à dire aux Ivoiriens les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour passer à un temps moyen de coupure aujourd'hui qui est d'environ 17 heures par an. Ça nous fait moins d'une heure et demie par mois. Ni ne kunye anga bi flash info e kada au kluka. On ni che akal la meliko ni mana. Anga fuli we an laje baka bela jili keren keren niana minu mika an laje kabo Itali. Au ka ambe wakati were. Ruto! 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 Yato bi unasikiza kuja hapa ku promote your talent. Kwa kajuba, chuba twende. Kwa mdomo wa majuba. Dada, tata ya rungu kwa kile na kwa 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 k